Et dans les camions, il y a un endroit, ils sont, il y a deux camions, il y a un chauffeur. Je vais le dire. Parce que c'est très bon. Donc on pourrait la tourner et la mettre face à la côté. Ce qui a fait qu'à 1m86, oui, il nous reste 40, 30 ou 40 cm. Ouais, on l'avait fait exprès de faire ça, c'est une manière à ce qu'elle puisse, si tu veux, être vue un petit peu de... Non, Michel, il fait le film, ça qui est... J'aime bien les films de Michel quand il les envoie après. Alors on a essayé, si tu veux, de faire une rue qui soit gadouilleuse, parce que tu sais, ils étaient un peu... Alors, c'est ni plus ni moins, en fin de compte, on a travaillé le sol, et ensuite c'est du plat, en fin de compte, c'est un pâte très très fin, qu'on a laissé sécher. Ensuite on l'a peint avec une colline, ce qu'on appelle une encocoline après, et après on l'a vu. Et on a fait des traces de pneus avec, tu vois, tes fameuses ambulances, voilà, tu vois. Donc ça te donne, si tu veux, ces terrains qui étaient un petit peu embourbés, hein, parce ouais, que ouais, voilà, je comprends. Ah, bah, c'était pas, c'était pas la grande joie. Hein, quand alors, même, hein. Et on parle de morgue, et en fouillant, j'ai trouvé des photos de morgue ailleurs. Ah oui. Une à Génicard, un bâtiment que tu vois, marqué morgue. Et que là, il n'y avait pas, de, y avait pas d'inscription du tout. Ici, des photos d'intérieur où tu vois. Et c'est tout est mort et c'est disséqué. Oui, oui, tout à fait. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est une planche en bois qui est à claire-voie. Oui. Et donc, j'ai des photos à l'intérieur où tu vois la planche en bois. Et j'ai d'autres photos où tu vois au milieu un cercueil qui est posé par terre sur le marbre. Et sur les deux côtés, deux lits. Et les mecs, ils ont là, ils sont là. Donc je t'ai fait là-bas la réserve d'eau qui était une estacade qui était assez haute. Ah, super. Et j'ai réussi, si tu veux, à retrouver la consistance de l'eau, là, tu vois. Ce que tu as ici, là, donc c'est toi. Alors c'est fait, bon, j'ai réussi à le faire. Et là, c'était l'incinérateur. Tu sais où ils incinéraient tout ce qui était les déchets, les pansements, etc. Donc, qui était là, quoi, voilà. Et je t'ai fait une maison en construction, parce qu'il y a des maisons en construction, telles qu'elles étaient, avec les gars en train, tu vois, avec les marteaux, les machins, la petite échelle, voilà. D'accord. Voilà. Et là, tu as les entrées, Daniel, qui sont autour, donc... Alors, il y a une entrée avec une petite chaîne, là. Toute bête si tu veux, avec deux piliers. Et là, toi, tu as donc USA Base Hospital 22, Beau Désert, en fin de compte, où tu rentrais. Et là, tu as route de Bordeaux avec les panneaux Bordeaux qui indiquent ouais, j'arrive, Yann. Voilà. Et Guilou, elle a préparé là, haut, bas, fragile. On va mettre sur les cartons une fois qu'on va te remettre. Dans celui-là, il y a un conducteur. Oui, tu dois avoir un conducteur. Oui, Guylaine a mis sur un conducteur. Félicitations au troisième membre de la famille. Ah bah lui, il a fait la locomotive. Super. Voilà. Merci. Alors, le saut au local, d'accord. Et là, je te dis un toit, si tu veux, peut-être qu'ils étaient. Et alors, une question précise, ma boîte à camembert, elle est où là? Ta boîte à camembert, elle est où? J'ai voulu poser la question. Ta boîte à camembert. Mon rustique, il est où là? La tienne, elle est là. Tu sais, tu m'avais envoyé une photo avec le côté de l'estacade. Oui, oui. Avec l'eau qui avait emballé. Là. Super. Et je l'ai essayé de la faire telle qu'elle était. Eau, fragile et bas. D'accord. Fragile, il y en a pour tous les côtés, bas et haut, sur les quatre côtés aussi. Et tout est collé, il y a des conditionnés. Et ensuite, sur chaque côté de module qui n'est pas visible de la zone de bord, tu as un numéro. Sur deux côtés, un ou deux, ça correspond voilà, numéro de conseil en plus l'implantation du module. Il ne faut pas que ça soit trop long. Il faut montrer. Il ne faut pas qu'il trouve qu'il est long dans un univers dans lequel il est. Parce que tu as différentes scènes. Parce que j'aimerais être construit une maison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, c'est quoi?
Alors ça, c'était tout ce qui était en fin de compte lié à l'intendance des véhicules, etc., avec les conteneurs d'eau qui dormaient, parce que tu n'avais pas d'eau sur le truc. Moi, je t'ai mis des tuyaux ici, parce que si tu veux, là, ici, ça servait en fin de compte d'eau de réserve. C'était balancé après dans ce site, qui était soit emmené à proximité des toilettes, soit acheté un immeuble là-bas, par exemple, les tuyaux, parce que tu n'avais pas d'eau. Il n'y avait pas un système d'eau. Quand ils ont tout démonté, il n'y avait rien en fin de compte en dessous. Voilà. Et le système des estacades, c'était à certains endroits. C'est pour ça qu'on a coupé. Et puis ça, c'est pour mettre en poche, ici, au niveau des modules, des attaches. La route, tu vois, c'était tout petit. Les mettre là. Si tu veux, c'était des choses où ils ont passé au travers. Qu'est-ce qu'il y avait dans les tentes? Alors, les tentes, c'était des gens qui étaient malades, qui mettaient dedans. Voilà. Et il y avait combien, je ne sais plus combien de lits. Jusqu'à 500 lits dans chaque. 500 lits. Le pitain, il faut...